C'est parti. Donc, aujourd'hui, on va juste faire une petite capsule rapidement sur rechercher des informations dans un fichier, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de monde qui vont faire, mettons que si on prend un fichier de log Apache, là, j'ai pris n'importe quoi, là. Puis souvent, je vais voir les gens, ils vont faire un cat. Là, il y a plein d'informations, puis ils remontent. Puis ils vont chercher l'information dedans, puis ils vont essayer de lire. C'est tellement une perte de temps, puis nos yeux sont vraiment mauvais pour ça. Donc il y a trop d'informations, puis on n'en capte pas. Donc je vous suggère fortement d'utiliser grep, dont on s'y cherche pour les erreurs 404 dans le fichier de log. Donc bon, là j'ai encore beaucoup d'informations, mais au moins c'est trié déjà. Si on... Et je peux même mettre un petit peu de couleur pour visualiser mon erreur 404 qui est présent lors des requêtes. Pour les personnes qui vont me dire, oui, c'est bien cool, mais le problème de grep, c'est que ça me donne juste le 404 et je vois pas à quelle ligne c'est, puis je vois pas avant. Donc parfois, je veux chercher, mais avoir l'ensemble de l'information. Bon, déjà, si vous voulez voir, il y a toujours la possibilité de -n, je pense, qui va nous donner le numéro de ligne où il a trouvé l'information. Donc, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Il est possible d'utiliser -a pour dire je veux avoir, par exemple, les deux lignes after, donc après. Donc là, à ce moment-là, il trouve le 404 et il monte les deux lignes en dessous. Il y a la même option avec -b. Pour before, donc les deux lignes avant. Et disons que je voudrais avoir les deux avant et les deux après. J'ai -c pour c. Non, je sais pas. Regardez le man page. Qui me permet de voir. Donc j'ai le 404, deux lignes au-dessus, deux lignes en dessous. Donc il n'y a pas vraiment de raison de commencer à chercher dans un fichier et à essayer de lire les 404 à l'intérieur. Bien entendu, c'est possible que vous ayez quand même, vous ne savez pas tout à fait ce que vous cherchez à l'intérieur d'un fichier. Donc, soit vous pouvez utiliser cat ou même, si on veut juste utiliser la commande less qui va me permettre d'avoir un système de pagination donc à l'intérieur. Bon, avec space, ça me permet de faire page down pour descendre. Mais où je veux en venir surtout, c'est que j'ai un fichier complet et avec le slash, on le voit ici en bas complètement de l'image, ça me permet de chercher aussi un mot dans l'ensemble du fichier 404. Donc là j'ai bon, 404, là il va me montrer, il va me chercher le 404 à l'intérieur du fichier au complet. Donc là il n'y a pas de grep, il n'y a pas de sélection qui ont été faits, et avec n pour next, je peux passer de l'un à l'autre pour avoir l'information. Bien sûr, je peux utiliser des regex et tout, là, mais si on garde ça simple, là. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de se casser la tête à commencer à scroller pour avoir l'information. Il y a tous les outils. Là, j'ai utilisé des fichiers, mais si vous avez une commande, donc si je prends la commande des messages qui m'affichent les informations du kernel lors du boot et au fur et à mesure. Donc là, j'ai une liste d'erreurs avec un CPU. Peu importe, l'objectif c'est pas de voir le résultat de cette information. Mais avec des messages, encore là je peux soit scroller pour aller chercher l'information, mais là ça m'ennuie. Je perds du temps, puis je risque de pas réussir à avoir l'œil assez vif pour réussir à capter ce qu'il me faut. Si je cherche par exemple dans cette information le message du premier disque dur, SDA. Hop, là je vais avoir le résultat en utilisant pipe, comme on avait vu lors des cours 202, la révision, et sûrement 101 ou 201, j'avouerai que j'ai un blanc là-dessus. Et là, il va juste m'extraire l'information. Bien entendu, je peux aussi piper ça dans less pour avoir l'ensemble de l'information. Et après, avec le slash en bas, SDA. Pour chercher mon information à l'intérieur du fichier, utiliser les flèches pour monter et descendre.
Si je suis rendu à la fin, parce qu'en fait, c'est les mêmes bindings que VI, là, que c'est ça l'avantage. Si je suis rendu à la fin, slash me permet de faire un search vers le bas, point d'interrogation me permet de faire la même recherche, mais vers le haut. Donc là, j'ai SDA1 qui est là, etc. Et next pour remonter facilement. Voilà, c'était tout. Juste pour vous dire, s'il vous plaît, arrêtez de scroller puis chercher l'information manuellement là. Il n'y a pas de raison de le faire. Ah ouais, j'ai oublié un petit truc, tiens, pendant qu'on y est. Si je prends le serveur Apache, voyez ici, là, j'ai un fichier avec plein d'informations à l'intérieur, mais il y a énormément de commentaires. Vous pouvez toujours utiliser grep moins v, vous me voyez souvent l'utiliser. Pour enlever, donc là, au lieu de faire un grep, je fais une négation du grep. Donc dès qu'il va avoir le pound key, le dièse, il va l'enlever. Donc là, à ce moment-là, je n'ai plus que les informations réelles du fichier, donc sans les commentaires. Et là, on voit, là, j'ai plein de lignes de retour de chariot qui sont présentes. Je fais la même opération, en fait, je fais un grep moins v. Et là, bon, là, j'utilise une regex, hein. Le début, si le début et la fin sont collés, donc il n'y a aucun caractère dedans, il va m'enlever toutes les lignes blanches qui sont à l'intérieur du fichier. Donc là, à ce moment-là, j'ai plus que l'information pertinente. Mais bon, lire la doc, c'est intéressant aussi, hein. Donc là, j'ai juste pu les commentaires, mais ça me permet d'extraire facilement l'ensemble de l'information. Donc de passer d'un fichier qui a donc réellement 39 instructions décrites. Et si je fais la même contre WC pour compter le nombre de lignes, j'en avais 221. Donc, hein, ça me permet d'avoir quand même une meilleure visibilité si je cherche juste certaines instructions. Bon, allez, je fais un effort, je m'arrête pour pas que ça fasse encore une demi-heure comme d'habitude. Bonne journée!